et dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. La foi d'Abraham, une foi éprouvée. Chers amis, le livre de la Genèse, lirez-les le livre de commencement. Car c'est à travers lui, ça, nous écoutons que la vie l'homme commencé. C'est à travers Genèse, nous écoutons que le péché a commencé. À travers Genèse, l'amour a commencé par la désobéissance. C'est là également la procréation a commencé. Et c'est là tout, cette question de sacrifice a commencé. C'est le livre de Genèse qui présentait le premier sacrifice que bon Dieu fait. Lorsque l'humanité chutait, l'humanité perdu pied devant bon Dieu, parce que lui laissait tromper par le malin, lui désobéit à Dieu. Mais le plan de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas pour l'homme perdu, mais le plan de Dieu, c'est pour l'homme vivre. Il y a un bonheur infini. Maintenant, bon Dieu cherche un moyen pour le capable de réhabiliter l'homme spirituellement pour le faire l'homme retourner en connexion avec lui. Pour l'aider l'homme à retrouver une relation ensemble avec lui. Comment ça possible? Est-ce que l'homme capable de gagner un cœur qui honorait bon Dieu? En Genèse chapitre 22, verset 1 et 2, lui présentez-nous l'épreuve d'Abraham. L'important pour passer en revue qui ça yon épreuve. Yon épreuve, ce n'est pas yon tentation. Yon tentation, li sorti dans le diable. C'est yon incitation. Alors, tentation, c'est une incitation à pécher. C'est une incitation que l'homme recevra, soit du diable, soit de nature pécheresse que le gagne pour le capable de faire bagaille qui déshonorait le nom de Dieu. Tandis que l'épreuve, c'est un test. L'épreuve, eh bien, c'est un examen que bon Dieu soumet l'homme devant lui. Et à travers examen ça, bon Dieu est capable de faire paraître un bagage qui allait au bénéfice de l'homme s'il acceptait pour et rester en bas épreuve si là. Chers amis, situation qui vient là, c'est la situation de la famille d'Abraham. Abraham arrivé dans l'âge avancé, madame lui arrivé dans l'âge avancé, et il n'a pas gagné possibilité pour être capable de faire petit encore. Mais bon Dieu te dit à Abraham que tu as fait devenir une grande nation. Mais l'âge n'a pas avancé. Bon Dieu dit à Abraham, anyway, promesse que tu as fait, il va accomplir. Ou va faire un petit garçon malgré ou vieux. Effectivement, bien-aimé, nous devons reconnaître ça matin, que pas gagner promesse que bon Dieu fait, il n'est pas accompli. Et quel que soit ça, bon Dieu promet dans la vie, il y en a nous qui l'a matin, même s'il pas arrivé aujourd'hui, il pas arrivé demain, il l'a privé quand même. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et il ne peut pas se repentir. Donc, la situation de la famille d'Abraham, c'est que, il y a gagné un garçon que bon Dieu te promet, et même petite sa coulière, bon Dieu m'a dit en sacrifice. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème là pour que Isaac capable de sacrifier? Oui, il y a un problème. Problème non, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est que bon Dieu t'a dit Isaac t'a permis que Abraham devienne une grande nation. Et c'est même Isaac, ça, bon Dieu mandé qu'on y a Abraham pour le capable offrir en sacrifice. Et c'est quelque chose de très bizarre lorsque bon Dieu fait une telle demande. Et c'est un bagage qui paraît même inconcevable pour bon Dieu mandé Abraham sacrifier Isaac. Et il y a une raison pour ça. Pour commencer, dans le plan de Dieu, les pas admettre sacrifice d'enfant. Et lorsque le peuple Israël t'est doué et aller dans la terre promise, bon Dieu t'est bail toute une série de prescriptions
En Deutéronome chapitre 18, verset 10, bon Dieu condamnait ce genre de sacrifice. Le sacrifice d'enfants et de gagner les Ammonites et les Moabites qui te conservaient en Dieu et les Moloch et ils te gagnent habitude sacrifier Timon by Moloch. Yo comprend propre petite paio, yo tuer, yo brûler le bay Moloch. Mais dans plan bon Dieu, c'est pas pour tout monde t'est offert en sacrifice. Or, mais là bon Dieu mandait pour Abraham offrir Isaac en sacrifice. Ce qui est démenti par ce verset qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ça veut dire, bon Dieu condamné, sacrifice d'enfant. Et en Lévitique chapitre 20, le verset 2, bon Dieu paye punition pour monde qui sacrifiait Timoun. Et bon Dieu dit, il dit, tu diras, alors là, parler avec Moïse, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, et si un homme et des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livrent à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. N'importe monde qui prend un petit lit, les sacrifie by Moloch, les sacrifie par le feu, eh bien, il doit tuer Mounsa à coup de roche. Mais si dans le plan de Dieu, il n'est pas d'accord pour sacrifier Timoun. Pour qui mon Dieu mandait Abraham pour sacrifier Isaac? Ça paraît inconcevable. Bien aimé, en pile fois, pour avoir nous prendre pile logique, nous dit, bon Dieu dit pour me faire tel bagaille. Mais bon Dieu connaît ça pas bon. Bon Dieu mandé pour m'aller tel côté. Mais bon Dieu connaît ça pas bon. Est-ce que vous connaissez? Lorsque vous avez demeuré en bas volonté bon Dieu, n'importe ça, bon Dieu mande pour faire, de vous connaissez bon Dieu qui mande pour faire faire. Ou pas besoin de connaître pour qui il mande ça. Ou pas besoin de connaître qui ça pourra le passer après. Mais si c'est bon Dieu qui mande pour faire, c'est faire. Et Abraham accepté pour le capable de sacrifier Isaac. Et ça, c'était une façon pour démontrer l'amour de Dieu gain pour l'humanité. Dans le sens que bon Dieu gagne un seul petit et que l'Ibral voyait petit ça mourir à la place de l'humanité. Donc maintenant, bon Dieu soumet même Tessa à Abraham pour est-ce que Abraham lui gagne la foi dans lui-même tout bon vrai? Est-ce que foi Abraham dit qu'il gagne un bon Dieu? Est-ce que là, parce que la foi c'est quelque chose d'intrinsèque si on bagaye qui dans l'esprit? Mais la foi doit être démontrée par des actes. Ça veut dire, si on dit qu'on gagne la foi, il faut prouver que on gagne la foi tout bon vrai. En Genèse chapitre 3, verset 15, bon Dieu promet un rédempteur qui t'a venu pour venger la race humaine contre le diable. Et bon Dieu t'a fait promesse ça, qui était comme une promesse de la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc Isaac était un type de Christ. C'est-à-dire, yon qui semblait avec Christ, yon yon utilisé pour faire des bagailles qui semblaient avec ça, Christ là lui-même. Li pral gagné pour le capable faire. Ainsi, mes bien-aimés, Abraham choisit pour le déplacer avec Isaac, le monter avec Isaac. Et la Bible dit qu'ils ont marché pendant 2 jours. Ils ont marché pendant 2 jours en direction de Morija. Abraham était convaincu. Il était convaincu que les bon Dieu fait une promesse, il kembe promesse. Moi-même, avant, en pile fois, nous promettons que nous avons fait un bagage pour lui. Quand le bagage n'a pas difficile, nous faisons tant que nous pas de faire promesse. Nous oublions. En pile, nous trompons par maman, nous trompons par papa. Parce que nous avons dit, leur arrivé dans tel endroit, leur arrivé dans telle position, mais ça y a fait pour nous. Des amis que nous avons qui étaient plus proches de nous-mêmes, qui te fait nous des promesses, il dit, ok, leur arrivé dans tel pays, leur arrivé dans tel job, leur arrivé au timon des affaires du gouvernement, mais qui ça au pral fait pour nous, mais en plus il faut tromper nous. Et cependant, bon Dieu pas jamais fait promesse pour oublier promesse. Abraham était bien connaissant. Abraham convaincu que promesse, bon Dieu, demeurait.
Abraham convaincu que si mon Dieu mandait Isaac, même si Isaac a mouru, bon Dieu a une possibilité, il a un pouvoir pour le capable faire Isaac ressusciter s'il veut. Et il a un pouvoir tout, même s'il n'a pas fait Isaac ressusciter, pour le capable de bailler l'autre petit. Donc, ça c'est une foi qui est évidente. Mais cependant, Isaac n'a pas connu qui ça a passé. Parce que bon Dieu traitait seulement avec Abraham et Isaac pas connaît en rien qu'a passé. Et c'était culture juive pour que lorsque yon bagay a traité pour yon timoun, eh bien c'est avec parents, surtout avec papa li, que le capable de traiter. Et les Isaac, ouais, papa l'a monté mon ensemble avec lui, yon paquet de bois et sous deux bouillis là, et puis il a monté, lui ouais, papa le pral fait yon sacrifice, papa le pral fait yon holocauste, lui posait papa question pour dire, mais papa, ou pral fait yon holocauste? Ou pas sacrifier yon animal à bon Dieu? Côté animal ça. Ou pas tuer yon mouton pour offrir bon Dieu en sacrifice? Et chers amis, cette question, c'est l'une des plus grandes questions de l'Ancien Testament. Et c'est même l'une des plus grandes questions de toute l'histoire de l'humanité. Où est l'agneau? Côté mouton hein, qui prend sacrifier. Et réponse à question ça, Abraham pas gagné. Et Abraham plus tard, pral à la recherche de l'agneau. Donc, puisque Isaac pose question pour demander côté agneau hein, qui prend sacrifier, côté mouton nous pral tuer, qu'il y a fort Abraham li bay mouton. Et à cette question, où est l'agneau? Abraham t'es trouvé que li trop bonheur pour répondre à une telle question. Parce que lui, par contre, le plan de Dieu, c'est vrai que bon Dieu mandel yon bagay qui semblait ridicule, bon Dieu mandel fait un bagay qui semblait inconcevable, bon Dieu mandel fait un bagay qui semblait pas de mise, mais lui d'accord pour le faire, mais le par contre, finalement, qui ça, bon Dieu, pourra le décider? Lui croit que li pa ka di ça bon Dieu pour le faire parce que bon Dieu pas dit exactement finalité mais qui réponse les il dit mon fils Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'était seule explication que Abraham te kabaye à Isaac côté agneau moi pas connais mais on seul bagaille bon Dieu connaît. Bien-aimé, gen situation là dans jodi ou pas connaît ça qui va le passer plus tard. Ou pas connaître ça qui va le passer demain. Ou pas connaître ça qui va le passer dans 10 ans. Mais qui t'aime Dieu, bon Dieu lui-même, lui te connaît ça qui t'est passé hier, lui connaît ça qui a passé chaudière, et il connaît ça qui va le passer même dans la dernière seconde de vie. Parce que bon Dieu en contrôle de l'humanité, et là on moun soumet lui en bas volonté, bon Dieu, moun sa pa gen crainte, lui pas besoin presser ba réponse, parce que réponse finale là, c'est pas dans l'homme lié, mais c'est dans bon Dieu que lié. Et réponse à la question, ça finalement, c'est Jean-Baptiste qui prend le balil lorsque lui prend dit, voici l'agneau de Dieu. Lorsque Christ prend le paraître, lui prend dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Abraham n'a pas de l'autre choix que d'obéir exactement afin que les capables de prouver confiance qu'elle gagne dans bon Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Réponse qui sera donnée par Jean-Baptiste plus tard. Bien-aimé, la Bible dit que y a un échange qui fait entre Abraham et Isaac. Question à poser. Question pas qu'à finir répondre. Et puis, ils ont continué à marcher ensemble. Ils ont continué à gravir la montagne. Et suite récit a monté que tous les deux n'ayons yo d'accord pour accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, pas de plus belle bagaille qui a passé dans la vie yon moun lorsque ou d'accord pour accomplir la volonté de Dieu. En pile fois, volonté de Dieu, lui semble nuisible à nous-mêmes. Bien bagaille bon Dieu vle pour nous faire, c'est pas lui nous te vle faire. Bien côté bon Dieu vle nous aller, c'est pas là nous te vle aller. Gagne activité bon Dieu te voulait nous entreprendre, c'est pas lui nous te voulait entreprendre, mais un fait certain, gagne bénédiction pour monde qui d'accord accomplir la volonté de Dieu. Isaac te commencé jeune garçon,
li te capable bon dégoumé avec papa pour te dire bon OK m'pa pas d'accord pour me sacrifier m'pa pas d'accord pour tuer parce que couteau monsieur Anamel couteau Abraham Anamel bras fin rangé pour le tuer Isaac pour le mettre sous bras et puis pour le brûler le bail bon Dieu Isaac a des possibilités pour te dire non papa ça pas normal d'ailleurs li pas normal pour sacrifier moun donc moi pas accepter que ou tuer pour offrir mon sacrifice mais la Bible dit que Isaac a accepté. Bien-aimé, c'est une grande bénédiction pour yon parents, pour des parents et des enfants qui animés de même esprit dans le service de Dieu. C'est une bénédiction pour yon famille qui a yon timoun ou bien un groupe de timoun qui est d'accord pour obéir à maman yo, à papa yo, pour faire volonté de Dieu. Je dis à Getty Moon, l'autre yo en a l'église, yo dit non, m'a joué domino. L'autre yo en a l'église, yo dit non, m'pral le garder en feuilleton. L'autre yo en a l'église, yo dit non, m'pral le garder télévision. L'autre yo en a l'église, non, m'y a un ami que m'pral le visiter. L'autre yo en a l'église, non, m'a gagné, ménage moi pral le ouais. Ça veut dire, maman yon bon, papa yon bon, et puis Timoun Moon yon bon. Bien-aimé, pas de plus grande bénédiction pour yon famille, parce que leur ni maman, ni papa, ni timoun, yon d'accord pour yon soumettre en bas la volonté de Dieu. Et plus tard, pour aller gagner en pile bénédiction qui pourra descendre dans la famille d'Abraham, parce que Isaac était d'accord pour faire la volonté de Dieu pendant que l'a obéi à la volonté de son père. Et la Bible dit, une fois arrivé au but, Abraham construisit un autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Quelle foi, bien-aimé! Ça, c'est la manifestation de la foi. Un seul petit. Alors, si pas un seul petit était gagné, mais c'était le fils de la promesse. Si à travers lui, bon Dieu dit, il pourra le faire devenir une grande nation, même pour le tuer. Qui ça pourra arriver après? Est-ce que nation ça m'a gagné? Non ça, bon Dieu, voulait bailler moyen. Est-ce que ma jambe gagné? Non ça, quelle foi! Par ce acte d'obéissance, Abraham confessait que bon Dieu qui est dans le ciel là, c'est bon Dieu parle. Est-ce que vous reconnaissez que bon Dieu c'est bon Dieu par où? Si vous reconnaissez bon Dieu c'est bon Dieu par où, vous avez besoin de faire confiance. Il joue en avant, en avant. Il dit chita, chita. Il dit camper. Il dit courir. Si vous reconnaissez que bon Dieu, c'est bon Dieu, pas où? Ou besoin de croire que n'importe ça, bon Dieu, dit ou faire, même s'il te semblait pas bon, mais il est bon parce que c'est bon Dieu, pas maintenant, qui dit me faire. Même si ça t'a dû priver Abraham de petite lit, eh bien, il connaît que bon Dieu, il y a toute façon pour arranger les choses. Et Abraham reconnaît que petit ça, c'est pas petit. C'est vrai que c'est lui qui fait, c'est dans l'île sortie. C'est dans celle-là sortie. Mais en réalité, Abraham n'était pas le vrai père d'Isaac. Le vrai père d'Isaac n'était pas Abraham, mais c'était Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a une possibilité pour moun faire petit. En pile moun a cherché petit, yo pas gagné. Gagné moun qui t'avait 10 petits, c'est un seul yo gagné. Il y a des gens qui n'ont pas gagné même. Donc, toute possibilité que les gens pour faire petit, ce n'est pas dans l'homme qui sorti. Et parfois, ou consulter les plus grands médecins du monde pour aider à faire petit ou pas qu'à faire petit parce que bon Dieu n'a pas choisi pas au petit. Mais cependant, il y a des gens qui font ménopause, il y a des gens qui attaqué par la stérilité. Gen moun ki rive nan vieux jou yo pa ka reproduit, cellule reproductrice yo pa ka fonctionner encore. Mais pourtant, bon Dieu fait yo fait petit. Donc petit Abraham connaît que le te gagnant, li connaît le pas li pas pour lui, le vrai père d'Isaac, c'est pas Abraham, mais c'est Dieu. Donc si bon Dieu mandait pour faire yon bagay avec Isaac, c'est sûr et certain que li doit accepter parce que li seulement yon gérant pour Isaac. Est-ce que quoi ça matin? Et si on a raison, matin, nous voulons dire ça, il y a une pile famille. Le fait que par reconnaître que petit yo gagné,
c'est dans bon Dieu le sorti, c'est pas pour lui, c'est pour bon Dieu lié. Eh bien, le petit ça a un petit problème. L'aile gon tête fait mal, l'aile gon pied fait mal, il gon étourdissement, il gon problème quelconque, yo ou pas ka joindre une solution, ça ou fait yo tous ses pieds, yo monté la capapa. Yo jambé passe de l'eau, yo monté montagne, gen côté yo pas ka arriver, c'est bourri qui yo monté. Qui pour arriver ensemble avec yo justement pour y aller la caille papa pour yo ouais s'y a sauvé pit là bien aimé le salut ne vient pas de Dieu et pas de l'homme, ça vient de Dieu. L'homme pas qu'à sauver l'homme, mais c'est seulement bon Dieu qui qu'à sauver l'homme. L'homme pas qu'à bailler vraie guérison, c'est bon Dieu qu'à bailler vraie guérison. L'homme pas qu'à bailler vraie liberté, c'est bon Dieu qui qu'à bailler vraie liberté. Et c'est ça qui fait nous besoin de soumettre nous, nous besoin de manifester la foi nous, pendant que nous soumettons la vie nous, nous soumettons la vie madame nous soumettons la vie mari nous soumettons la vie petite nous, la vie maman nous, la vie papa nous, à la volonté de Dieu. Parce que Abraham te reconnaît ça, lorsque bon Dieu t'a mis là l'épreuve, il est d'accord pour remettre Isaac. Nous-mêmes, est-ce que nous sommes d'accord pour nous remettre famille nous à bon Dieu? Dans moment ça. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous soumettre connaissance nous à bon Dieu? Chers amis, je vais vous dire un bagage. Il y a des gens qui ont une grande connaissance. Ils étaient de bons serviteurs, de bons servantes de Dieu. Mais lorsque ils ont fini la classe, ils sont allés dans l'université, et puis soit ils ont un bon job, ils ont oublié côté ils sont sortis. Ils ont oublié si. Pour yote apprendre ça yo apprendre non faut que yote gen cerveau et malgré tout gen moun ki gen cerveau mais cerveau invalide, cerveau pas ka contenir bagay que moun sa ta dwe apprendre. L'intelligence ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. La mémoire ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Si ou gen intelligence pour comprendre ou gen mémoire pour retenir ça ou apprendre, c'est grâce à Seigneur. Auprès que des gens qui prennent même connaissance ça pour être capable de banaliser les choses de Dieu. Donc ça c'est une infamie aux yeux de Dieu. L'on prend ça bon Dieu bah où, pour mépriser bon Dieu ensemble avec elle. L'on prend connaissance qu'on gagne pour mépriser bon Dieu avec elle. L'on prend l'argent qu'on gagne pour mépriser bon Dieu avec elle. Lorsque tant que bon Dieu va ou pas qu'à mettre au service de Dieu, parce qu'on pas gagne temps pour bagaille comme ça, ou gagne trop bagaille pour accomplir, mais c'est Dieu qui donne le temps. Médecin, hein? Pas qu'à faire une consultation sans bon Dieu. Si un médecin pas gagné nerf auditif ou bien li gen yo pas fonctionner, comment li va faire consulter yon patient? Comment li va faire contrôler pulsation yo, rythme cardiaque là? Comment la faire comprendre connait, comment la faire contrôler pour connait niveau de tension? Est-ce que moun nan yon hypertendu ou bien yon hypotendu ou bien est-ce que yon tension qui normale? Comment la faire connait ça? Faut que nerf auditif yo fonctionne pour que l'esthétoscope là dans oreille eh bien li capable contrôler battement cœur et si en fonction de là pour faire le premier pas et faire suite qui nécessaire pour et pour prescrire des médicaments à patient après qu'il fin fait toute analyse et au joindre résultat. Donc connaissance là c'est bon Dieu qui parle. Organisme qui a bien fonctionné, c'est bon Dieu qui fait. Abraham te reconnaît ça et puis la foi que le gagne en bon Dieu permet que lui livrer à bon Dieu tout ça à bon Dieu mandé. Mais plus tard lorsque il était d'accord pour le tuer Isaac et puis bon Dieu t'a déjà fait en provision. Bien-aimé, en pile fois nous grand goût provision nous déjà là, attendez. Nous pas connaît ça. Provisionnons là déjà. Gen jeune fille qui là qui gagne 30 ans qui pense ah bon, l'âge avancé mes amis, Jean-Baï là est là double 6. Et par contre ça nous dit double 6 pour mourir non même. Mais double 6 pas qu'on mourir non mais chrétien bien-aimé.
C'est ou bien bon Dieu pas d'accord pour vivre en foyer même, il faut rester comme ça, ou bien quel que soit l'âge qu'on a gagné, bon Dieu bon mari ou bien bon madame. Mais en pile fois mesdames, yo condamné tête yo non façon qui est anormale parce que yo pas qu'attendre bon Dieu, parce que yo pas qu'à soumettre tête yo en bas volonté bon Dieu, parce que yo pas qu'à manifester la foi que yo dit yo gagné non bon Dieu. Bon Dieu fait provision, li bayon bouc. Pendant que Abraham pral tuer Isaac, et l'ange de l'Éternel parla à Abraham. Abraham, Abraham, ou pas besoin de tirer tinèg là. Parce que mes gen bélier, kon li prend là, ou mettre prend li, offrez-le à la place d'Isaac. Est-ce que vous avez une provision pour la vie au matin? Y a ti moun ki fink fini là. Qui pour connaître comment on va à l'école, pas vrai? Comment on parle dans l'université? Il y a pas même web corps inscription. Frais d'application passé loin. Bon si frais d'application va gagner, est-ce que c'est dans l'université on va chita? Pas gagner espoir. Mais qui t'aime dire espoir pas jamais perdu pour monde qui servir bon Dieu. Jamais. Espoir pas jamais perdu pour monde qui servir mon Dieu. Bon bon parents qui la matin, ce sont des parents de petite bourse. Ils n'ont pas de grands moyens pour subvenir aux besoins scolaires ou universitaires de Timounio. Mais qui t'aime dire, bon Dieu, qui t'es beau, cellule, soit gamète plus ou bien gamète mâle, bah, gamète mâle ou bien gamète femelle, suivant que vous êtes fille ou bien un garçon, que bon Dieu t'es beau. Si il te kabo gamet ça. Mes amis, regardez non. Le yon ti moun fèt. Le yon ti moun fèt. Nan liquide spermatique la. Gen yon ban de milliers de spermatozoïdes qui descendent. Oui? De milliers, oui. Et puis son seul et quelquefois deux. Ça dépend de race moun yo. Tant pour en Chine, moun fait cinq petites baye comme ça. Mais surtout en Haïti, rarement moun fait deux, moun fait trois. Mais c'est surtout. Pour essayer un seul. Et puis c'est oui. Ou pas jamais prendre temps pour réfléchir sur ça. Dans des milliers de spermatozoïdes. Et puis c'est grenna qui sorti. Grenna qui kembe. Ovule la kembe. Et puis c'est oui. Pour qui ça c'est où? Pour qui ça y pati yon lot? Et mais si c'est où, c'est que bon Dieu t'est déjà signé pour là. Donc bon Dieu qui a un plan pour la vie. Si mon Dieu a un plan pour la vie, bon Dieu pas qu'à quitter la vie ou fini mal. Et bien si mon Dieu pas quitter la vie ou fini mal, et on croit dans ça, pour que ça vous trouble tête tout, si toutefois vous devez faire un bagage pour bon Dieu, vous devez bailler bon Dieu temps, vous devez livrer un bagage à bon Dieu, vous devez livrer temps ou connaissance ou l'argent, possibilité qu'on gagne, pour que ça vous peut faire, si vous connaissez bon Dieu gagner contrôle de la vie ou. Et la nouvelle situation en Genèse chapitre 22, versets 14 à 19, c'est que et Abraham gagne yon bête, li sacrifie, li baye l'Éternel, et puis Isaac continue vivre. Nous pas besoin de peur, bien-aimé, pour nous capable de demander, bon Dieu, ça nous besoin. Autrefois, c'était Abraham à la montagne de Morija, mais je dis, c'est où, en Dankai là. Je dis, c'est où. Dans l'église là. Je dis à c'est où dans l'école là. Je dis à c'est où dans l'université là. Je dis à c'est où dans le marché là que voler tout ça de gagner et pour pas encore pour faire commerce encore, on met l'école pour l'ouvrir. Je dis à c'est où tout ça de gagner détruit, maladie finie avec ça de gagner et pour pas gagner moyen pour subvenir aux besoins de la famille. Je dis à c'est où. Ce n'est plus Abraham, mais c'est nous. Comment on a manifesté foi nous? Que nous gagnons dans mon Dieu. Le bon Dieu fait promesse à Abraham. Il y a trois phases là-dedans. Il d'abord promet lui une grande nation. Il promet lui que descendance lui va en pile. Il va combler. Il va combler avec en pile bénédiction. Et en Genèse 22, verset 1a, il dit, je te comblerai parce que tu as obéi à ma voix. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Bien-aimé, si nous d'accord, livrer tant nous bail, mon Dieu. Bon Dieu, non seulement là, bail nous tant,
mais là bas nous santé, là bas nous l'argent, là bas nous connaissance, là bas nous tout ça nous besoin. Merci.